Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. What is Jenny coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I can feel you coming. Shh. Coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Look. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look, up ahead. Alive. You see it too? You promised you can. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Look around and you'll see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it. Turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her.
bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Oui, bah franchement, graphiquement, je sais pas ce que ça rend sur PlayStation 4, je regarderai des vidéos, etc. Mais là, ça rend vraiment bien. Surtout si vous redescendez 1080p 60 fps, je crois en sorte d'avoir un beau rendu. Franchement, graphiquement, ça dépote. Mais un jeu, c'est pas uniquement les graphismes, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Wow. Vous avez dû remarquer aussi, je me permets de parler pendant... C'est que, bah, par rapport aux voix, on entend des voix sur l'oreille gauche et des fois sur l'oreille droite, suivant d'où proviennent les voix. Et je trouve ça vraiment excellent. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, cette petite intro, qui était ma foi un peu longue, comme la mienne, hein, qu'on a commencé le jeu. Mais c'était pas plus mal. Au moins, ça nous a mis en situation. On est dans une sorte de marécage. Donne sans doute de marécage, un mélange de Styx aussi. Mais là, quand on est. Ouh là là, c'est quoi ça? Comme on est un petit peu dans la mythologie, nordique, je sais pas trop, j'ai pas vraiment de référence. Oh. Je sais pas ce qui se passe. What? C'est. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. La vraie question, c'est qui sont ces voix? On peut le prendre ou pas? Non. Ok, on peut pas prendre la torche. C'est dommage. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est voix. De placer voix, hein, comme une voix dans la tête, en commentaire. Comme je dis pour l'instant, on ne peut pas courir. Ah si, c'est bon. On peut enfin courir. À moins que j'ai appuyé sur la mauvaise touche depuis le début. Franchement, c'est vraiment très joli. Les effets de lumière... sont resplendissants. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Come. Her dear beloved, Dillian.
Donc, si on récapitule bien, la tête qu'on a à côté de nous, c'est la tête de Dillion, notre homme, notre petit ami décédé. Et on doit aller voir, je sais pas, une sorte de déesse ou un dieu qui s'occupe de ça et qui pourrait peut-être le ressusciter. Voilà. Ça me fait penser à une histoire aussi de la mythologie grecque. Il y a une personne, je sais plus c'était qui, dans la mythologie grecque, qui avait fait plein de choses par rapport à ça, et il est parti voir Hadès à la fin. Hadès lui a dit « Ok, t'as fait preuve que tu méritais de récupérer ta bien-aimée, sauf que le chemin que tu vas parcourir, la fin, il faudra que tu te retournes à aucun moment. Jamais. Qu'importe ce que tu entends, ce que tu vois, tu ne devras pas te retourner. » Il avance. Malheureusement, au bout d'un moment, voilà. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à aller voir par rapport à ça. Si vous voulez, je vous dirai en commentaire ou autre, pour ceux que ça intéresse. Mais je regarde beaucoup de reportages sur la mythologie, parce que ça m'intéresse. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais si ça vous intéresse vous aussi, des fois, on pourra se faire quand je ferai des vidéos découvertes ou même des vidéos blabla, on parlera de tout ça. Parce que, je regarde beaucoup de reportages. Attends, est-ce que l'eau est bien faite? Ouais, si, ça va. Je regarde beaucoup de reportages par rapport à ça. Et surtout une émission. Alors, on active ça. Hop. Surtout une... comment on appelle ça? Une série qui passe sur Arte. C'est aussi disponible en replay sur Arte. En tout cas, sur la Free, c'est disponible. Et ça s'appelle Les Grands Mythes. Voilà, attendez, comment on peut monter? Ok. Ça s'appelle Les Grands Mythes. C'est deux fois par semaine. En fait, il y a deux émissions. Ça reste une semaine en replay. Et ça parle de toute la mythologie grecque. Par exemple, ça explique comment le Minotaure est né. Voilà. Ça explique qui sont les enfants de Poséidon. Qui est Hercule, hein. C'est pas comme dans le Disney, les 12 travaux d'Hercule, ce ne sont pas les mêmes. Qui est Dédale, ce génie qui savait tout inventer, mais malheureusement qui n'a pas fait les bonnes choses. Etc, etc, ça parle de tout plein de dieux, de rois, etc, par rapport à la mythologie, et c'est vraiment très très divertissant et très bien raconté. La narration est excellente. Ça s'appelle Les Grands Mythes et c'est en replay sur Arte. Voilà. C'est vrai souvent on dit que la télévision ça nous abrutit, mais il y a des émissions encore une fois qui sont, ma foi, très intéressantes. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. I can see mine. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Waouh. D'accord. Alors, il faut trouver une lettre à voir. On va reculer les têtes. Attendez. Comment ça se passe?
Ah oui, d'accord. Il faut suivre tous les symboles. Désolé si ça prend un petit peu de temps, il me faut du temps pour comprendre les choses parfois. Alors, est-ce que ça serait là? Le M par exemple, non, c'est pas ici. De toute façon, là on a un petit peu trop loin à voir qu'il n'y a plus les symboles. En fait voilà, quand on se rapproche, les symboles sont là. Alors, où est-ce que c'est? Je suis très mauvais en énigmes. Je m'excuse hein, si ça prend un petit peu de temps. Et si ça prend du temps, vous inquiétez pas, je ferai une coup. Ah, c'est pas ça par hasard? Ouais, c'est ça. Ça va. On aurait pu être plus long. Bien entendu, comme j'ai dit, hein, il y a des ennemis, etc. C'est pas seulement un jeu où il y a des énigmes et tout. Hein. Mais c'est juste pour mettre l'histoire en place, forcément. On va pas arriver quelque part et boum, des ennemis partout. Ah, ce sera plus une découverte contemplative, je pense. Quoique, hein, je dis ça, mais peut-être que dans 10 secondes, il y a un ennemi qui va arriver. C'est compliqué que des fois je me dis, est-ce que je vous laisse écouter pendant qu'il parle? Est-ce que je parle? Mais dans tous les cas, je me trouve. Oulala, ça m'a fait peur. Je mettrai le son assez fort, hein, vous inquiétez pas. Je mettrai peut-être même le son à la hauteur de ma voix. Il a l'air énervé. Mais franchement, encore une fois, les graphismes sont de toute beauté. Je plafonne entre 50 et 60 images par seconde, ça dépend des moments en fait. Et ce sera toujours plus que sur console, je pense. Je suis pas sûr qu'il tourne à plus de 30 fps. Par exemple, là, on a 58. Wow. Franchement, c'est mignon. Et j'ai hâte de le faire en live pour la suite. Parce que comme ça, on pourra prendre notre temps et tout. C'est ça qui est cool en live. Tu fais gaffe, hein. Moi, jamais je pourrais faire ça. Et vous, est-ce que vous pourriez le faire, franchement? T'as pas de... Oula. Oh. What? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, on est bien mort. En fait, il fallait que je fasse gaffe. J'avoue, j'ai pas fait de direction. D'accord. Je pensais être le seul homme au monde à être mort ici. Mais, voilà. En fait, on a l'équilibre à maintenir. Et j'avoue, pour être franc avec vous, je maintenais pas d'équilibre. Voilà. Bon, maintenant, au moins je le sais. C'est pas grave. Au moins maintenant, vous savez comment ça fait quand on meurt. C'est assez brutal. Alors, tu peux me l'activer? Ça, je pense que ça sert de checkpoint. Et surtout, ça nous sert de narration. On va voir ce qui se passe ici. Tu peux passer par-dessus? À voir. Pas du tout. On va prendre l'échelle. Cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. Ça fait déjà à peu près 20 minutes qu'on est en jeu là. Ça m'énerve que pour ce genre de jeu, généralement je fais toujours des vidéos longues. Et excusez-moi. Et à chaque fois que je fais des vidéos longues, plus c'est long, moins il y a des gens qui regardent. Parce que c'est vrai que quand ça dure plus de 30 minutes, les gens ils sont pas motivés. Je peux les comprendre, mais c'est dommage. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him.
exist anymore. Just give him back. Et bien voilà, enfin du combat. Alors, comment ça se tape? Ok. Rien de plus simple. Allez, viens là. Je pense que ça va beaucoup se baser sur les esquives. Franchement, je pense que c'est un style beaucoup plus lent en termes de combat. Et en fait, totalement satisfait. Allez, viens là. Hop là. Bah alors, on a du mal? Hop là, le coup de pied. Et boum, et boum. J'espère qu'il y aura des finish moves, genre démembrement, etc. Ça pourrait être sympa. Ah, on peut aussi enchaîner des coups différents. Ous. Et voilà. Alors c'est tout? Oh, d'accord. Je crois que c'est... C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Les ennemis sont... un poil bizarre. Wow. Ok, je tape dans le vide là. C'est des illusions. C'est pas des vrais... c'est pas des vrais ennemis on dirait. Ouais non, je tape dans le vide. Il y a un problème. Il y a un problème, messieurs. Hop là. D'accord. Il fallait mourir, entre guillemets. Spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. He's not my name. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the
Revolution, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Ok. Donc notre but là, si on doit récapituler tout ça, c'est qu'on est maintenant, on va dire, possédé. C'est-à-dire que notre bras droit, plus on meurt, plus, on va dire, l'infection se répand sur notre corps. Et si ça arrive à la tête, on meurt. Et c'est une mort définitive. Mais arrêtez de rigoler dans ma tête, là. J'ai des voix dans ma tête, là. Oui, du coup, et si on meurt, la sauvegarde est finie aussi. Donc on a tout recommencé à zéro. Ça, c'est plutôt intéressant comme principe. Et bah, là, ça nous dit bien qu'on doit tuer les dieux, deux dieux, voilà, pour l'instant. Et si on tue les deux dieux, on avance. C'est génial, le principe est bien. Le style de combat, on l'a vu pendant quelques minutes, c'est très très bien aussi. Assez basique, mais il y aura l'esquive, les deux frappes, le coup de pied. Moi, j'en demande pas plus. On va s'arrêter là quand même, pour que ça fasse un peu moins de 30 minutes pour cette découverte. J'espère qu'elle vous aura plu. On a parlé un petit peu, je vous ai dit voilà, ce que j'avais à dire. On n'a pas trop galéré pour les énigmes. Tout était bien. J'ai vraiment hâte de vous proposer la suite. En espérant que ça vous plaise aussi, bah, en live sur Twitch. Et qui sait, peut-être une rediffusion, mais me connaissant, je la mettrai pas. Voilà, à chaque fois je dis ça, mais je le mets jamais. Encore une fois, merci à tous pour ceux qui ont suivi bah, ce petit bout de vidéo, cette découverte. Merci à ceux qui ont laissé des likes. Et puis sinon, bah, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!